Here we are in the acoustic isolation chamber of the Musée de la Musique, and we're going to be talking to Stéphane Vaiedelich, who's one of the technicians who works with the museum. Alors Stéphane, vous pourriez nous dire un peu du travail du labo? Oui, merci d'être venu jusqu'à nous. Moi, j'ai la responsabilité du laboratoire de recherche et de restauration du Musée de la Musique. Et dans son nom, il y a les deux missions du service, la recherche et la restauration. C'est un service qui accueille des gens de formations différentes, chimie, physique, musique, facture instrumentale, histoire, musicologie, pour mettre autour de la table différents regards de façon à embrasser l'ensemble des valeurs culturelles qu'a un instrument de musique lorsqu'il appartient à une collection patrimoniale. Nous avons pour mission principale et fondamentale de mettre en œuvre les conditions scientifiques et techniques qui vont assurer la pérennité de la collection du Musée de la Musique. Et nous avons un rôle d'animation du réseau des musées en France, ce qui veut dire que normalement nous devrions tout savoir sur tout et que l'on ne sait rien sur rien. Alors, qu'est-ce que vous faites sur cet instrument dans votre laboratoire? Cette onde est une vieille dame malade qui n'appartient pas à la collection du musée, pas encore, qui est une collection particulière qui nous la confie pour étude. Et nous avons organisé un groupe de travail pour essayer de comprendre comment ça marche. Oui. Et pour essayer de la faire fonctionner. Et elle a commencé à émettre ses premiers bruits. On n'est pas encore dans la musique, mais bientôt. On espère pouvoir être dans la musique dans quelques mois. Pour le moment, tous les éléments marchent séparément et ils marchent quand on les met ensemble. Voilà. Ça, c'est la première chose que l'on fait sur cet instrument. Et puis, avec Valérie Hartmann, nous avons commencé un travail depuis plusieurs années sur la touche. Parce que les ondes de Messiaen, le compositeur, sont au Conservatoire National, elles sont utilisées dans la classe d'ondes et toutes les ondes tombent un peu en panne, les unes après les autres. Et sous cette touche, il y a un petit sac qui est le responsable de toute la sensibilité de cette touche d'intensité. Et Maurice Martenot n'a pas vraiment confié le secret de la fabrication de ce sac, même s'il y a des écrits dessus, et des brevets, ça ne suffit pas pour pouvoir reconstituer les choses. Donc nous avons entrepris un travail de caractérisation chimico-physique de l'ensemble des matériaux de manière à pouvoir reconstituer le sac. Et nous avons le plaisir de pouvoir entendre quelques-unes des ondes du Conservatoire National qui jouent maintenant avec des sacs qu'on a réalisés. Et nous avons eu l'idée de collectivement de voir si nous pouvions adapter ce type de technique de contrôle du geste à d'autres sujets que la musique. Et notre collègue Laurent Cartier et le laboratoire de l'Université de Paris 6, le laboratoire d'acoustique musicale, a déposé un brevet autour de ce type de contrôle directement dérivé de l'idée initiale du travail du projet sur Maurice Martenot.